Yep, pas tout le monde. Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée toujours et encore sur ma passion, les fintechs. Et oui, toutes ces fameuses banques en ligne, digitales, intégrées, néobanques, digital natives et autres. Alors, bon, le sujet, c'est voilà, utiliser les banques en ligne comme un outil en fait de money management, c'est-à-dire optimiser l'organisation de votre gestion financière personnelle, de votre portefeuille personnel. Ça peut être répondre à un premier besoin, mais il y en a également d'autres. Quelle autre valeur ajoutée pour le client? Donc voilà, à travers quels produits et services justement? Donc ça, c'est point d'interrogation, mais on va quand même s'intéresser à rester sur la partie générale. Je ne vais pas vous intégrer, vous présenter des exemples de banques en ligne. Moi, je vais vous amener à réfléchir sur les grands principes de ces banques en ligne. Quelle gymnastique d'esprit et à quelle gymnastique d'esprit elles devraient vous amener. Donc, en quoi ces banques en ligne, notamment, elles vont être des banques du futur et quelle possibilité d'optimisation de notre money management elle va pouvoir nous apporter? Alors, ça, vous l'avez déjà entendu parler. Donc ça, voilà, les banques en ligne, elles regroupent différentes problématiques. Pour moi, toujours orientées autour d'un même sujet, et c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est les fintech, banques en ligne, autour des produits et des services. Donc, quel en est-il du money management? Et pourquoi on a de telles banques en ligne qui déferlent? Et quels risques, justement, par rapport à nos acteurs traditionnels? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'on est en train de leur faire confiance? Est-ce qu'on va les adopter? Quelles solutions on va prendre, comment mesurer leur niveau de sécurité par rapport à nos acteurs traditionnels qui étaient bancaires, qui eux avaient un niveau de maîtrise du risque qui était mis en place et qui était même un dinosaure historique. Ils sont à notre sens infaillibles, ces banques. Alors comment est-ce que des plateformes mises en place en quelques mois en ligne sur Internet, elles pourraient prétendre à être aussi infaillibles? Donc ça, c'est ce qu'on va voir avec notamment en conclusion des petits scandales tels que MTGOX et autres, des scandales, voilà, vous en connaissez également d'autres. Allez, je parle trop, je reviens. Donc mes banques en ligne, ce que je voulais vous l'expliquer, c'est qu'on va voir en fait que ces banques, en fait, elles sont des banques du futur, qu'actuellement, on a vraiment une pression marketing et on entend parler de ces banques en ligne partout, mais parfois on a du mal à comprendre mais exactement pour quels produits et services, tellement voilà, il y a un dédale de solutions et de possibilités actuellement. Donc pour vous expliciter et vous pousser à réfléchir sur toutes ces problématiques dans une première partie, je vais traiter qu'allons-nous pouvoir faire de plus justement avec ces banques digitales comparativement à nos banques traditionnelles. Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter? Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer dans ma première partie. Puis dans une deuxième partie, en fait, on fera la transition pour nous poser la question de savoir en quoi est-ce que ces banques en ligne, elles vont pouvoir venir compléter le money management de l'être humain. Et pourquoi là je parle de l'être humain? C'est parce qu'on verra que ces plateformes digitales, en quelque sorte, elles utilisent de l'intelligence artificielle et ce sont donc des assistants quelque peu numérisés, digitalisés, voire même robotisés, qui vont compléter nos facultés d'intellectuel, intellectuel, notre niveau d'intellect, voilà. Et donc le niveau de nos facultés intellectuelles en venant compléter. Et dans d'autres formations, voilà, moi je vous avais fait des allusions à une construction de l'humain sous une forme pyramidale avec une base plus ou moins large en fonction de nos fondations. Et bien ça, on pourrait se représenter que voilà, grâce à l'informatique, au digital et au numérique, on va pouvoir rajouter des strates à notre pyramide de perfectionnement de notre nature. C'est-à-dire que nous étions limités par nos capacités biologiques. À ces capacités biologiques, on avait notre cerveau qui est un super processeur. Il est biologique, il est limité. Nous, on n'est pas capable d'activer les leviers pour l'optimiser, si ce n'est peut-être l'intelligence artificielle et émotionnelle, pardon, et le lien entre le corps et l'esprit, où on s'aperçoit qu'effectivement, on pourrait pousser nos limites. Mais hormis ça, on n'a pas grand-chose. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste les méthodes digitales. Et donc les banques en ligne, c'est ces super petits robots assistants, voire même des plateformes globalisées de services et de produits qui vont vous permettre de mettre en place votre money management. Donc c'est la deuxième partie. Allez, donc mon introduction. Les banques du futur, je vous l'ai dit, elles déferlent. En fait, la pression marketing, elle est très très forte. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette pression marketing? En introduction, c'est que je dirais que ces banques en ligne, elles présentent apparemment de nombreux avantages. Alors, c'est pas normalement pour.
Enfin, m'être intéressée à la partie LCBFT et avoir travaillé sur la partie LCBFT dans ces banques en ligne. Le LCBFT, c'est la lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme. Je peux effectivement donner un avis peut-être sur les quelques avantages, mais je vous laisse justement vous faire votre propre opinion parce que tout ce qui est interprété par notre cerveau, quelque part, est subjectif. Donc, dans ma subjectivité, moi, je vois les choses comme ça. Donc, dans mon introduction, les banques en ligne, elles apporteraient de nombreux avantages. Ce que je verrais, moi, c'est justement l'ouverture de comptes bancaires dans des temps qui sont records. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé et vous avez eu la curiosité de regarder, mais quand vous voulez adhérer à des banques en ligne qui sont parfois même issues de la vitrine internet des banques traditionnelles, hein, vous avez plus ou moins de critères et de niveaux d'exigence. Alors ça peut être au niveau du KYC, c'est-à-dire de renseigner vos données, qui vous êtes, ce que vous êtes, d'où proviennent vos revenus, est-ce qu'ils sont réguliers, pas réguliers, etc., etc. Et vraiment plein, plein, plein de questions sur vous, est-ce que vous êtes propriétaire ou pas. Donc vous apercevez qu'il y a une différence entre la finesse et l'exigence des renseignements mis en place par différentes plateformes, celles notamment les banques en ligne issues, pour ne pas les citer, mais voilà, on pourrait dire, voilà, je vais pas les citer, mais il y a beaucoup de banques en ligne qui sont issues des acteurs traditionnels. Et à la différence, c'est qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il y aura une lourdeur dans l'enregistrement. Ça n'allait pas mettre 5 minutes, vous allez plutôt mettre, on va dire, parfois même une demi-heure. Et en fait, ça, c'est relatif à la gestion du risque. La banque gère le risque de son côté, c'est-à-dire qu'il veut bien vous identifier. Et voilà. Et vous, de l'autre côté, ben, vous gérez également votre risque parce que, quelque part, plus la banque, elle est solide, et plus vos fonds sont normalement garantis, puisque les banques doivent avoir des garanties de sécurité. Alors ça, c'était normalement vrai. Risque, opportunité, apparemment, certains en rediscuteraient. C'est plus si sûr. Donc, je me suis bien égarée, mais ce que je veux dire, c'est que ben, en fonction de ces banques en ligne, si elles dépendent d'acteurs traditionnels, ben, l'enregistrement va être lourd, mais normalement, vous réduisez votre risque. Et quand vous prenez des banques en ligne, qu'on va dire complètement indépendantes d'acteurs traditionnels, mis en place par vraiment des entrepreneurs, des développeurs, des architectes, des gens qui n'ont pas forcément de connaissances dans le monde bancaire, ben, eux, par exemple, ils vont demander, ils vont avoir peut-être moins d'exigences au niveau de leur KYC, même si l'ACPR, les autorités de contrôle prudentiel et de résolution, mettent en place des prérogatives et des obligations de vérification, bah, c'est pas dit que ces startups, elles les vérifient. Donc, comment vous garantir voilà, bah, la sécurité de vos fonds, ça c'est plus délicat quand vous êtes derrière votre écran. Donc, il faut faire vraiment attention, il y a plein d'éléments qui sont indirects, comme la rédaction des CGU, les conditions générales d'utilisation, les conditions générales de vente, et également vérifier les numéros Orias, par exemple, si voilà, il s'agit de plateformes de paiement ou de crédit ou autre, les agréments également associés aux activités, aux produits, aux services. Et donc voilà, il faut vérifier un petit peu tout ça, voir s'ils travaillent avec des cabinets d'avocats également. Ça peut vous aider à voir la solidité. Et attention à la médiatisation, ne faites pas confiance à la médiatisation. C'est pas parce qu'une fintech, et donc une fintech, c'est une start-up spécialisée dans la finance et les technologies, vous paraît solide parce qu'il y a un poids médiatique autour de celle-là qui est très forte, que celle-ci, justement, elle est sécurisée. Au contraire, elle peut parfois se cacher derrière le poids de sa médiatisation. Et au travers bah, une confiance qui est complètement virtuelle, alors que la réalité de sécurité de vos fonds n'est pas du tout appliquée en réalité sur le terrain de cette start-up. Donc faites attention à qui vous allez confier votre argent, c'était ce que je voulais vous dire, et je me suis égarée un peu du sujet, mais voilà, ma spécialité, c'est la gestion des risques, et notamment LCBFT. Donc faites attention, même si vos acteurs, ils sont parfois même agréés, établissements de paiement, de crédit, de monnaie électronique ou autre, par les autorités de contrôle et de résolution prudentielle, ben c'est pas un gage en plus de sécurité. Ces acteurs et ces gendarmes de la monnaie et de la finance, ils sont des passé, on a un poids démographique qui est très fort. Face à ça, on a des besoins et des demandes qui augmentent. Donc forcément, il y a beaucoup plus de solutions. Les solutions, en plus de ça, sont dans un courant d'innovation exponentielle. Donc tout va très très vite, tout se transforme. Donc il faut bien gérer son risque. En fait, c'est ce que je veux vous dire.
Donc, et si je reviens au sujet, je me suis égarée. C'est que donc dans les nombreux avantages marketing en fait que vous voyez autour de ces banques en ligne, qu'est-ce qu'elles disent aussi? C'est que en argument, vous allez avoir des possibilités de transfert d'argent transfrontalier. Alors là, faire attention parce que c'est très complexe quand même au niveau réglementaire. À chaque pays est sujet en fait une réglementation et les transferts transfrontaliers sont pas autorisés partout. Donc voilà, donc il y a ça. Également, c'est on voit bien qu'il y a une ouverture du système bancaire et je dirais même un peu une décentralisation de ce système bancaire actuel qui est un peu surprenante. Risque ou opportunité, peut-être que le risque serait pour moi d'aller trop vite parce que si on maîtrise pas sa vitesse, ben on sait pas comment on peut prendre un virage et si on n'anticipe pas comment on prend le virage, ben on peut peut-être se planter. Donc pour donner une meilleure impulsion justement à la gestion de nos plateformes digitales et autres, ben il conviendrait justement d'avoir du recul sur les risques liés à celle-ci. Et voilà, ne pas aller trop vite pour mieux répartir le pouvoir de façon à ce que le bénéfice soit réciproque au sein de la société. C'était une belle parenthèse. Allez, je reviens. Donc, possibilité de transfert transfrontalier. Désolée pour la parenthèse, mais là aussi, il y a un aspect réglementaire qui est important. Faites attention. Moi, je suis pas une spécialiste, mais je sais que les risques sont forts sur ce point. Donc ça, qu'est-ce que ça va vous permettre également, si on évoque les autres avantages, c'est bien sûr les tarifs compétitifs comparés à nos banques traditionnelles. Voilà, voire même parfois des CB gratuites, parce que forcément, nos acteurs pardon, traditionnels, ils vont nous garantir la gestion d'un risque. Comment ils font ça? Ben déjà, ils ont leurs compétences internes, mais eux, en plus, ils rajoutent des couches de sécurité. Et donc, ils rajoutent des tiers indépendants. Donc, en fait, les frais de gestion sont relativement importants. Et en plus de ça, les acteurs bancaires ont une appétence pour l'argent. Donc, ils ont tendance à augmenter leurs frais de gestion au détriment de la qualité de vie du client ou des souscripteurs. Donc, parfois, je dis bien, ça n'a pas valeur de vérité générale. Et on a des banques traditionnelles qui font très bien leur travail au jour d'aujourd'hui, comme on a des banques en ligne qui font très bien la leur. Mais on a également des gens, voilà, on a toujours le côté blanc et le côté noir. Et dans le côté noir, faire attention, faut pas qu'ils dominent ce côté. Alors, donc ça, c'est les opportunités, des tarifs compétitifs pour vous. Ça, c'est chouette en fait. Parce que à côté de ça, si vous avez une CB gratuite, voilà, vous allez pouvoir augmenter votre pouvoir d'achat également. Donc une possibilité de mieux vivre grâce à ces banques en ligne indirectement, des petites solutions au tracas du quotidien. Donc dans les risques maintenant, si on revient sur les risques associés au périmètre d'utilisation de ces partenaires et de ces plateformes en ligne, il y a quand même un constat qui est actuel, c'est que même si l'utilisation elle est exponentielle aussi et on voit bien les générations Y où les digital natifs sont très sensibilisés à ces outils, donc ils les utilisent et voilà, dans le sens de la pyramide des âges, on voit également qu'il y en a de plus en plus à utiliser. Mais pourquoi il n'y a pas plus de personnes à les utiliser, notamment la troisième génération, celles qui sont entre le monde traditionnel et le monde digital. C'est un monde qui fonctionne sur la confiance et la gestion du risque. Et ces gens-là, en fait, ne sont pas prêts à faire confiance au courant d'innovation. Voilà, ils ont moins confiance aux usages, ils ont. Voilà, et donc du coup, l'adoption, elle est plus difficile pour ces gens d'adopter ces solutions. C'est la confiance qui fera la vitesse d'adoption de ces solutions. Donc c'est vous, en fait, qui impulsez la vitesse du virage, en quelque sorte. C'est la sommation de tous les individus que vous êtes. Est-ce que vous avez des opportunités à utiliser les banques en ligne ou pas? Est-ce qu'il y a plus de risques ou d'opportunités? Ou est-ce qu'il vaut mieux rester chez ces acteurs traditionnels? Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux diversifier pour mieux gérer son risque? C'est perso, il faut le voir, je dis y est pas. C'est passionnant ce sujet, hein. Je m'auto-emballe tellement j'adore ce sujet. Alors, hop, j'y reviens. Je suis désolée, satisfaction personnelle. C'est l'humain. C'est l'humain, c'est mon cognitif. Je suis une mauvaise personne. Allez, maintenant si on regarde les opportunités réelles des banques en ligne, en fait c'est quoi? L'opportunité réelle, ce serait de réduire notre risque, augmenter notre sécurité, notamment la sécurité de nos fonds, tout en nous offrant un panel de services et de produits autour de solutions innovantes qui soient beaucoup plus larges. Et en plus, si on peut diminuer nos frais de gestion pour nous rendre la vie plus facile et plus flexible, forcément, on aurait tendance à y aller. Donc les produits et les services, c'est quoi autour des fintechs? C'est les paiements, c'est le virement, c'est donc les actions de débit et de crédit.
À côté de ça, il y a une grosse problématique toujours autour du LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment, fraude et terrorisme, c'est la sécurité autour des moyens de paiement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que j'adore, notamment les paiements par smartphone et la sécurité, notamment. C'est quelque chose qui va impacter de loin notre avenir parce que ça fait partie d'une de mes sensibilités, la protection du consommateur. Voilà, on met énormément de temps à gagner notre argent et à réussir à le garder parce que avec tout ce qu'on a à payer, c'est très très dur de le garder. Donc on a tendance à essayer de rêver des solutions qui soient complètement légales et qui permettent à chacun justement d'améliorer petit à petit et progressivement un peu son quotidien. Donc ça, c'est potentiellement possible avec les banques en ligne. Mais attention, il y a des risques majeurs également. Alors, donc ça, l'opportunité majeure, et ce qu'on viserait avec les banques en ligne, c'est de réduire notamment nos risques majeurs autour et grâce à la régulation LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme. C'est-à-dire que ce serait de réduire, d'augmenter la conformité de ces plateformes digitales bancaires, c'est-à-dire être attestées, être agréées, être vérifiées par des autorités de contrôle, par des super gendarmes financiers. Et c'est eux qui s'assurent en quelque sorte de gérer nos risques. Mais ils sont tellement dépassés, comme je vous l'ai dit, qu'en fait, il convient peut-être d'auto-contrôler et de gérer son risque pour sécuriser ses fonds parce que l'argent est durement gagné. Donc maintenant, si on arrive au sujet, parce que là, c'était une introduction. C'est pas pour vous faire peur. Mais ma première partie. Alors ma première partie, j'avais dit, je la traiterais à qu'allons-nous pouvoir faire de plus avec ces banques en ligne comparativement à nos banques traditionnelles. Eh bien, ça, voilà, moi je vous l'ai dit, c'est optimiser votre money management. Et ça, que ce soit dans le pro ou le perso, c'est-à-dire dans vos vies familiales. Dans le pro, on voit bien que dans les entreprises, c'est complètement mis en place. Déjà, il y a un système de money management mis en place, mais plutôt traditionnel. Donc là, on va compléter les outils de money management traditionnels par, c'est-à-dire comment utiliser ces petites économies financières par quelque chose de plus robotisé, donc avec un système d'intelligence artificielle, ce qui devrait optimiser les potentiels et potentialités de gains pour tout le monde. Et c'est là où il y a l'équilibre et la balance, c'est que ça devrait améliorer les conditions de vie de chacun. Donc allez, les banques en ligne, ça serait quoi? Ça serait un formidable outil de centralisation, en quelque sorte. Pourquoi? Pour optimiser le management de nos risques. Les risques qui seraient financiers, comme je vous l'ai dit, c'est le money management pour le particulier ou le professionnel. Et ça va participer à l'amélioration continue en fait du management de nos finances personnelles, en réduisant notamment et en maîtrisant ces frais qui étaient inutiles. Donc on va passer d'un système qui est dit efficace, donc vous êtes devant une cible avec votre arc et vous tirez un peu partout jusqu'à comprendre que c'est les trois dernières, comment mettre les trois dernières dans le mille. Donc en fait ça c'est l'efficacité, puis l'efficience c'est vous avez votre arc et là, pouf, vous tirez une fois, mais vous y allez direct. Et voilà, le but ce serait de compléter nos facultés humaines peut-être un peu limitées par des systèmes d'intelligence artificielle qui amélioreraient tout simplement nos vies. Voilà. On anticipe et on cherche à comprendre, en fait, grâce à ces outils, grâce à ces plateformes digitales, comment faciliter notre quotidien à travers nos usages. Donc voilà, nous allons en fait ainsi en quelque sorte gagner du temps et de l'efficacité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'efficacité c'est du temps et le temps c'est de l'argent. Pourquoi l'efficacité? C'est du temps parce que tout à l'heure, par exemple, quand j'avais ma cible et que j'ai tiré mes 10 flèches et que j'en ai mis 3 dans le 1000, il a fallu que j'en tire 7 pour que j'arrive dans le 1000. Avec mon money management digital, tac, j'ai une cible, une flèche, mais tac, j'y vais directement dedans. Donc, ça, en fonction de la difficulté, la distance, le vent, machin et tout, c'est plein de paramètres qui vont rendre très très difficile l'atteinte de votre cible. Et ça, je dirais que c'est la hauteur de la pyramide que vous vous dressez. Voilà, de vos objectifs et de votre valeur et de vos chemins à parcourir pour atteindre un but ultime, je dirais. Donc c'est un peu philosophique, mais voilà, c'est le money management, c'est aussi de la psychose, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est de la rationalité, c'est de l'empathie, et moi je dirais que c'est la capacité à intégrer également différentes sciences justement pour s'améliorer et peut-être se déconnecter parce qu'en se déconnectant, on est beaucoup plus créatif et donc on a une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Et dans une ouverture d'esprit plus large, il y a peut-être plus de solutions à analyser, faire attention, c'est le risque, c'est la dilution, mais il y a aussi
potentiellement beaucoup plus d'opportunités à saisir pour ceux qui sauraient être patients. Donc voilà un peu comment je vois le système de money management. C'est formidable. Donc en fait, on serait si... moi, ça c'est... Pourquoi je vous parle de ça? Certainement de ma sensibilité en qualité, parce que j'ai une formation en management de la qualité, sécurité, environnement. Et ça, bah voilà, ça va me donner une vision de la gestion du risque en mode préventif, curatif, palliatif. Et justement, grâce à l'intelligence artificielle, on est en mode vraiment préventif, on anticipe, et bientôt on va tellement anticiper qu'on va même anticiper le besoin. Donc on n'aura même pas conscience que le besoin, il aurait pu être présent dans notre échelle de temps, parce qu'on ne va même pas le voir. Donc en quelque sorte, on pourrait changer le cours de l'histoire. Philosophie, philosophie, non mais voilà, donc c'est des réflexions, voilà. Donc là, on va vraiment être dans le management du risque en préventif. Donc l'opportunité, c'est d'être capable de prendre des décisions avant que l'action ne soit mise en place. Et on devrait être bah, comme à l'image du management des systèmes, des organisations systémiques d'une entreprise, bah, on devrait voilà, gagner en amélioration continue. Voilà. Alors maintenant, on va faire la transition. Tac, je passe à ma deuxième partie. Yep, bah, on y va. Allez, on résiste, on résiste. En quoi ces banques en ligne, elles vont venir compléter le money management de l'être humain? Bah, je pense que vous l'aurez compris, bah c'est que le genre humain, à mon sens, pour moi, il est limité, enfin je pense. Et il est limité justement dans sa capacité à analyser et exploiter les données extérieures. Et en plus de ça, quand il les exploite, il amène du cognitif. Donc il réinterprète les choses par, je dirais, du superflu et du non utile. Et si on se met en situation, par exemple, il y a quelque chose qui arrive énormément dans nos sociétés actuelles, c'est par exemple on est en phase de burn-out. Le burn-out, c'est quoi? Bah, c'est une situation psychologique et physiologique qui fait qu'en fait on est arrivé à un moment où notre cerveau il est débordé. En fait, il capte tellement de data, c'est-à-dire qu'il intègre tellement de données, vous avez tellement de choses dans votre quotidien, des influenceurs. Bah, qui font qu'à un moment, votre cerveau, il sait plus correctement comment retranscrire l'information. Et il commence à se déconnecter, se déconnecter. Et vous ne savez même plus comment la traiter. Et ben, ça, en fait, c'est peut-être l'atteinte des limites de capacité de notre cerveau, justement. Il est en saturation, il faudrait peut-être faire un reset, ou alors le soulager un peu, justement, avec ces robots d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, ben, des petits outils, ou comme je l'ai pris dans le sujet, c'est l'exemple des banques en ligne, qui pourraient être un outil qui pourrait vous servir à optimiser la gestion de vos finances personnelles, et vous permettre de vous soulager le cerveau, comment? En vous faisant gagner du temps, en passant de ben, l'efficacité à l'efficience, c'est-à-dire droit au but. Donc gagner du temps, c'est également de l'argent. Et l'organisation, quelque part, c'est de l'argent. Donc ça peut vous améliorer la vie. Y est pas. Bon, non, je déconne. Mais alors, les banques en ligne et toutes ces solutions digitales, pas génitales, pardon, digitales. Alors, elles vont en quelque sorte jouer le rôle d'assistant, comme je vous ai dit, numérique, digital, robotique. Et en fait, elles vont vous conférer des capacités d'analyse complémentaires et donc elles vont contribuer à augmenter les strates pour édifier votre pyramide parce que à un instant T vous avez pu décider de bâtir votre pyramide à une hauteur qui était X1 et puis à un autre temps vous allez décider d'être beaucoup plus gourmand et vous avez édifié une pyramide qui est à une hauteur de X150, X1000, X10 000, 20 000, millions, etc. Ça c'est fonction de vos aspirations. Donc voilà, et justement grâce à cette intelligence artificielle, vous allez peut-être pouvoir répondre à vos aspirations. Quels sont les risques et les opportunités liées aux aspirations, à la subjectivité des aspirations, voilà, aux contraintes de vie sociale et communautaire également, voilà. Donc allez, si on revient au sujet, je me suis quelque peu égarée, mais voilà, c'est pour vous donner l'esprit solution digitale. Donc si on revient aux banques en ligne, en fait, ces solutions, elles jouent... Ben, elles conféreront à l'être humain en fait une possibilité d'étendre ses capacités intellectuelles et donc une capacité d'analyse complémentaire à l'homme. Et l'homme en fait il va pouvoir suppléer donc son cerveau par des assistants et des plateformes et des solutions qui seront basées sur l'intelligence artificielle. Donc on va imbriquer l'homme et la machine. Voilà, l'homme et le robot. Et on va étendre ses capacités parce que l'homme il a un processeur qui est biologique, il est limité. Et ben, on va pouvoir aujourd'hui être capable de lui suppléer des processeurs informatiques qui vont lui permettre d'augmenter
sa capacité d'intégrer de la data et donc de les exploiter pour les retranscrire. Et ça va augmenter en quelque sorte ses capacités physiques et donc ses limites cérébrales. Vous l'aurez compris. Donc dans l'avenir, en fait, en quelque sorte, si c'était le sujet, on revient à l'innovation financière, ça va offrir en quelque sorte, ou ça va donner l'opportunité d'offrir des possibilités de chemin à prendre dans l'initiative de satisfaire en quelque sorte la condition humaine et peut-être la survie de l'espèce. Et si on devait conclure maintenant, je dirais que les fintechs, ça représente beaucoup d'opportunités puisque ces fintechs, donc ces finances, toutes ces solutions de finances et de technologies comme les e-banques, les banques intégrées, les néobanques, les banques digitales, numériques, etc., je vous les ai dit, sont de formidables outils pour pouvoir peut-être permettre d'améliorer ou de travailler sur l'optimisation de votre money management de façon à faire quelques économies, de façon à faciliter un peu vos vies et d'orienter peut-être même d'autres usages ou même de nouveaux schémas d'organisation sociale. Voilà, parce que tout ça, peut-être que ça va en opportunité privilégier la mobilité géographique, la flexibilité, la productivité, notamment corrélée à la démographie, parce que c'est peut-être plutôt la démographie qui impacte notre productivité puisque notre demande augmente. Mais bon, voilà, tout ça, ce que je veux dire, c'est que ça va, cette innovation, et notre même financière ou autre, ça va impacter beaucoup d'organisations et schémas d'organisation sociale. Quand même, j'ai envie de clôturer en disant, il y a des risques, vraiment, ces banques en ligne, il y a vraiment des risques. Le risque majeur, il est lié à la réglementation, je dirais même à l'éthique parfois de la gouvernance, au civisme, mais vraiment l'éthique de la gouvernance. Il y a un risque de corruption aussi qui est élevé, parce que derrière des plateformes en ligne, on est bien caché, et il y a un risque majeur en LCBFT. Corruption, blanchiment, fraude, terrorisme, financement des armes, autres, enfin voilà. Soyez auto-responsables également. Et vérifiez toujours par vous-même la conformité des solutions digitales que vous allez utiliser. Parce qu'il y a vraiment un risque majeur également qui est lié à la solidité des plateformes. Ces plateformes, elles peuvent se faire hacker ou autre. Donc, elles peuvent complètement être détruites. Donc, ça, c'est la sécurité de vos fonds. Et puis, il y a un autre risque également, c'est la corruption, comme je vous ai dit. On a eu l'exemple de MTGOX. Il y a des événements médias où la corruption et le détournement des plateformes digitales ne peut pas laisser indifférent quant aux risques. Donc il faut vraiment nous sensibiliser à tout ça. Il y a vraiment des risques majeurs liés à la rétention de votre argent également. Par exemple, vous pouvez imaginer qu'une plateforme digitale soit ouverte, elle soit financée par financement participatif, c'est-à-dire que vous êtes un citoyen qui voulait participer à créer de l'emploi, donc vous décidez d'investir de l'argent sur une plateforme, c'est notamment une banque en ligne, et que cette plateforme et banque en ligne, elle est agréée, mais que malgré le fait qu'elle soit agréée, vous découvrez qu'en fait les activités sont potentiellement très illégal derrière, voire même qui touche la corruption, la fraude et le terrorisme. Et tout ça, ça vous invite à remettre un peu en question le système de contrôle qui est actuellement mis en place. Et c'est là où on prend conscience que l'innovation va très très vite et que même si on est bien encadré et qu'il y a quand même une volonté de la réglementation de nous protéger, nous consommateurs, il y a aussi justement une impuissance face au courant actuel. On a une démographie qui est forte et donc des solutions qui émergent à des vitesses exponentielles. Donc il faut justement être capable d'analyser ces solutions. C'est parfois un peu difficile, mais moi je vous invite et je vous encourage vraiment à le faire. Adoptez la hiépatitude, vérifiez votre information, voyez les opportunités de mieux vivre. Et je dirais, n'ayez pas à rester informé sur la conformité et la réglementation. Et n'ayez pas, soyez un consommateur avisé. Enfin, je dirais, n'ayez pas, il n'y a pas mieux que vous pour savoir pourquoi un produit, un service est une ou sera la meilleure solution plutôt que d'autres. Il n'y a que vous qui sachiez quel chemin vous voulez emprunter pour arriver à votre solution. Et il existe de très très nombreux chemins. Certains sont beaucoup plus longs, mais offrent des opportunités beaucoup plus grandes.
Alors, faut-il apprendre la sagesse et la patience? Je ne sais pas, ça pourrait être un autre sujet sur lequel je pourrais philosopher ou débattre. Voilà, ce sera fonction de ma curiosité et peut-être de la vôtre. N'hésitez pas à me faire part de vos opinions. Mais voilà, mes vidéos ou mes casts visent toujours de vous aider dans voilà, votre amélioration continue personnelle et surtout dans le fait de vous donner la possibilité de vous sentir mieux. Tout simplement. Et si j'ai la capacité par ces castes, de vous donner le sourire ou de vous faire sourire ou de vous apprendre quelque chose, enfin apprendre, non, de vous faire réfléchir sur quelque chose, j'aurais jamais la prétention de vous apprendre quelque chose. Vous avez tous votre propre bon sens. Je ne fais qu'interpréter ce que mon cerveau me retranscrit et actuellement je vous le retransmets avec encore une part de subjectivité en fonction du laps de temps dans lequel je vis. Donc c'est un truc de délire. Mais voilà, ce que je veux vous exprimer, c'est toute la complexité du système qui nous entoure. Voilà, on est notre propre influenceur, mais on est même nous-mêmes influencés par de nombreux autres influenceurs qui sont eux-mêmes rangés dans des boîtes, qui sont eux-mêmes influencés par d'autres influenceurs. Donc voilà, en fait, on ne sait pas à proprement parler. Comment gérer notre risque à 100% parce que c'est impossible de tout contrôler puisqu'on n'est pas capable de gérer tous nos influenceurs. Voilà. Et je vous dis, y est pas. Hein. Non, mais je trouve ça génial. Je trouve ça très intéressant ce sujet. Alors, je ne sais pas si on a les mêmes, les mêmes centres d'intérêt, mais bon. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura intéressé. Yeah!